Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce lundi, eh oui, 19 octobre 2020, où ça va pas vraiment bien. Et où cette année 2020 est vraiment pas une année comme les autres. Imaginez-vous, comble du malheur, j'en avais déjà parlé, mais là maintenant, c'est Neil deGrasse Tyson qui nous dit qu'un astéroïde pourrait frapper la veille des élections aux États-Unis, hein, le 3 novembre, c'est la date. Et une roche spatiale de la taille d'un réfrigérateur se dirige vers nous, a-t-il tweeté, une pierre qui pourrait couper le souffle à la Terre le 2 novembre. Le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson a publié une photo d'un astéroïde s'approchant de la Terre en disant qu'il pourrait frapper la planète avant les élections. Rien de moins, juste pour mettre un peu de suspense, du 3 novembre, imaginez-vous, l'astéroïde 2018 VP1. Une roche spatiale de la taille d'un réfrigérateur fonce vers nous à plus de 40 000 km/h, a-t-il écrit dans un tweet samedi. Cela pourrait faire le buzz sur la Terre le 2 novembre, la veille de l'élection présidentielle, probablement la plus importante de l'histoire des États-Unis. Hein. On est vraiment en deux mondes, la modernité puis le Moyen-Âge. C'est à peu près le choix que les Américains ont à faire. Il me semble qu'il semble assez facile à faire, le choix. Le Moyen-Âge avec les Républicains et l'avenir avec les démocrates. Et dans tout ça, dans le milieu de tout ça, t'as un astéroïde qui vient se mettre le nez là-dedans. Imaginez-vous, il a noté que l'astéroïde n'est pas assez gros pour causer des dommages, donc si le monde se termine en 2020, ce ne sera pas la faute de l'univers. Malgré l'avertissement, la NASA a précédemment confirmé que l'astéroïde avait moins de 1% des chances de frapper réellement la Terre. Dans une réponse au tweet de Tyson, un utilisateur lui a demandé « Avons-nous un plan si un astéroïde plus gros était en route pour frapper la Terre? » « Non », a répondu Neil deGrasse Tyson. « En fait, nous avons des plans, mais aucun d'entre eux n'est financé. » Un autre utilisateur a écrit « Techniquement, tout est la faute de l'univers, Neil. » Ce à quoi il a répondu, pas les résultats des élections présidentielles, par contre. Les chercheurs de la NASA cataloguent les objets géocroiseurs les chercheurs de la NASA cataloguant les objets géocroiseurs en ont découvert plus de 19 000 depuis que l'agence a commencé à tenir les registres en 1998. L'astéroïde qui s'approche, dont parle deGrasse Tyson, a été découvert en 2018. Un autre astéroïde est passé à moins de 1330 000 de la Terre le 16 août de cette année. C'était l'astéroïde le plus proche connu et sans impact, selon les responsables de la NASA. Cet astéroïde ne représentait pas non plus de danger pour les personnes au sol. En raison de sa taille, cependant, cela a inquiété les astronomes car il n'a pas été détecté jusqu'à ce qu'il passe la planète, imaginez-vous, quand même, hein, c'est un peu de suspense, un petit peu plus d'anxiété dans cette année vraiment unique qui n'arrêtera pas de nous surprendre. Et le 3 novembre, le soir de l'élection non plus, j'imagine qu'on sera tous sur le bout de nos chaises pour savoir si le monde va sombrer dans le Moyen-Âge, avec des chasses aux sorcières, des départements de justice qui veulent emprisonner ceux qui ne pensent pas comme le président Trump. Ou si on ira vers plus d'ouverture, un rapprochement avec le monde, parce que les États-Unis se sont isolés, et la modernité, ou si on retournera au Moyen-Âge, où on déniait la science, où on faisait tout pour faire des chasses aux sorcières. Vraiment inquiétant tout ça. L'année 2020, une année pas comme les autres.